bien bonjour Bernard Minier, bienvenue Bonjour. à la librairie Mola. Alors nous ne sommes pas dans la grande salle, à la salle Ozone, mais nous sommes en visio avec vous qui êtes dans votre Chez maison, moi. chez vous dans les Yvelines, en effet, avec quelques compagnons derrière qui vous scrutent ou qui nous scrutent. Nous Oui. avons le plaisir de vous recevoir, de nous recevoir chez vous pour votre huitième roman qui signe le grand retour tant attendu de Martin Servaz, votre flic toulousain qui est bien connu des lecteurs pour sa sixième enquête. 9 ans après le phénomène, bien entendu, international de Glacé qui vous a propulsé au sommet des auteurs de thrillers en France. Donc après Glacé en 2011, qui était suivi du Cercle en 2013, N'éteint pas la lumière en 2014, Nuit en 2017, et puis Sœur, on avait laissé en 2018. Vous êtes fait un nom rapidement parmi les auteurs de thrillers en France, alors que vous étiez contrôleur des douanes. C'est ça. Donc, vous avez une carrière paisible de fonctionnaire et en fait, finalement, vous avez bifurqué parce que vous êtes adonné à votre passion plus ou moins secrète qui était l'écriture et la lecture. Et on s'attache donc dans vos thrillers, dans ces thrillers avec Martin Servaz, autant au personnage du flic, bien entendu, sur lequel on va revenir longuement, mais en même temps au décor majestueux des Pyrénées, qui sont pas loin de chez nous, au pied desquels vous avez grandi. Mais je voulais vous poser la question d'abord, est-ce que dans le nouveau, donc dans la vallée, il y a de nombreux rappels des précédentes, cinq précédentes enquêtes avec Martin Servaz. Est-ce que pour vous, il est nécessaire quand même d'avoir appréhendé ce personnage-là emblématique et qui est devenu même un archétype de la littérature policière depuis ses débuts, ou est-ce que le lecteur peut lire la vallée sans avoir commencé par Glacé, Le Cercle? Ah non, je fais tout pour que le lecteur puisse entrer dans mon univers par n'importe quelle porte. Et bien entendu, je donne la possibilité à des lecteurs nouveaux de me découvrir à travers la vallée sans avoir lu les précédents. Il y a quelques petits rappels, ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a quelques petits rappels en particulier les premiers livres, Glacé le Cercle. Puis il y a quand même un personnage qui va réapparaître et que mes lecteurs les plus fidèles connaissent, qui avait disparu depuis longtemps, qui avait été... on ne savait pas trop si cette personne était vivante ou morte. Et là, on la voit effectivement réapparaître. Mais ceci, mis à part, cette histoire peut très bien se lire indépendamment des autres. C'est une enquête qui a sa propre existence, détachée du reste de mes livres. Évidemment, j'ai un personnage qui est Martin Servaz, qui évolue, qui grandit, qui vieillit, qui a charge de famille, puisqu'il élève un jeune enfant qui s'appelle Gustave, qu'on a découvert dans Nuit. Et puis là aussi, on y reviendra pour la première fois. Il n'est plus ce loup solitaire qu'il était. Il a une compagne et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Mais je pense que d'ailleurs, j'ai des témoignages de lecteurs qui m'ont découvert à travers la vallée, qui ne sont pas du tout déstabilisés par le fait de ne pas avoir lu les romans précédents, mais qui en revanche me disent tous maintenant, je vais les lire. Voilà. Voilà, on peut très bien les lire dans les ordres. Moi, je me souviens que quand je lisais Henning Mankell, avec ce merveilleux personnage de Kurt Wallander, ils étaient traduits par Le Seuil dans le plus grand désordre. La cinquième femme, les morts de la Saint-Jean, guerrier solitaire, etc. Et au fond, je me rappelle que son père, par exemple, il y avait ce personnage du père qui était très présent dans la vie de Wallander, très pesant aussi. Et le père vieillissait, était malade, et à un moment donné, il finissait par décéder. Sauf que dans le livre suivant, traduit par les éditions du Seuil, il était ressuscité, donc... un peu perturbant, mais on finissait par s'y faire parce que les enquêtes, elles étaient indépendantes. Donc, ça fait quasiment 10 ans que vous vivez au jour le jour avec ce personnage de Martin Servaz qu'on vous rappelle tout le temps, voire quotidiennement, j'imagine. Et vos lecteurs attendent impatiemment la suite des aventures parce qu'on est resté quand même sur fous, sur notamment une. Il était question de la vie ou pas
la vie de sa femme, enfin de sa compagne Marianne était en jeu, et donc on va avoir certaines réponses dans la vallée. Bien entendu, il n'est pas question de dévoiler ce qu'il en est. Non, surtout que c'est pas spoiler, puisque ça, elle apparaît très très vite, donc voilà. Mais voilà, il y a une recherche, une traque de Marianne dans ces montagnes, dans cette vallée des Pyrénées. Ce décor donc naturel des Pyrénées, ce décor à la fois majestueux, vertigineux et en même temps extrêmement dangereux, c'était aussi un retour aux sources, un retour dans l'univers de Glacé, même si on est en juin 2018, où il fait chaud. Oui, c'est une belle saison du reste pour découvrir les Pyrénées, et j'invite tous ceux qui me lisent à le faire, parce que c'est une région magnifique en cette saison, puisqu'on est également au mois de juin, sauf que dans ce paradis-là, il y a quand même des choses horribles qui se passent, évidemment. Oui, c'est un peu ça. J'avais envie de faire un peu Glacé 10 ans après. Donc, on retrouve une vallée des Pyrénées comme dans Glacé. Mais comme je l'ai dit, Servaz a vieilli. Il a pris 10 ans. L'auteur aussi, hélas. Et puis, la France a énormément changé au cours des 10 dernières années. Et on y reviendra sans doute. C'est un des sujets importants du livre, malgré tout, cette France d'aujourd'hui, tellement déchirée. Donc la France a beaucoup changé, donc je voulais faire une sorte de bilan, mais en racontant une toute autre histoire. L'histoire n'a strictement rien à voir avec celle de Glacé, donc c'est une histoire nouvelle, mais il y a un peu l'esprit de ce premier roman qui est présent, avec cette importance des montagnes, cette présence des montagnes. La montagne, c'est aussi, ça a aussi une valeur extrêmement symbolique, en dehors du fait que ça fournit des décors très spectaculaires. Très effectivement, comme le prologue, la première scène par exemple, on va pas trop donner de détails, mais ce prologue sur un lac glacé en plein hiver, parce que le prologue se passe en plein hiver, avec cet homme nu étendu sur la glace qu'on arrose de seaux d'eau glacée puisée dans un trou justement, et qui, comme il fait moins 15, va finir dans une sorte de scaphandre glacé. Voilà, ça donne des scènes très spectaculaires, très impactantes. Et puis là, la montagne, c'est comme la mer, c'est un milieu hostile. L'homme, certes, y est présent, mais il n'y est pas forcément le bienvenu. Et donc, ça aussi, il y a cette notion de danger qui est omniprésente, de par la nature, de par ce tueur qui se trouve dans la nature également. Et puis, il y a aussi, mais ça, c'est pareil, je pense qu'on va y revenir, une question de verticalité, de spiritualité, puisqu'il y a des moines, il y a une abbaye dans ce livre. Et donc, sur tous les continents, à toutes les époques, dans toutes les cultures, on a toujours placé les dieux au sommet de la montagne. C'est le mont Olympe, c'est le serment de la montagne dans le Nouveau Testament, c'est Dante qui place son paradis au sommet du mont Purgatoire. Voilà, la montagne, ça a été aussi le symbole de ça. Et il y a une forme de quête ou d'interrogation spirituelle dans ce livre, puisque Servaz va se rendre dans une abbaye on ne va pas non plus dévoiler trop, mais il reçoit un coup de fil au beau milieu de la nuit, qui est un appel au secours, d'une personne qu'il a connue dans le passé, comme on l'a dit. Certains de mes lecteurs sauront sans doute ce que je veux dire par là. Et puis il se précipite en pleine nuit dans cette vallée des Pyrénées, il quitte Toulouse, prend l'autoroute, ensuite il sort de l'autoroute, il se précipite dans cette vallée enclavée, encaissée des Pyrénées. Et comme la personne qu'il a appelée au secours, qui était dans une forêt totalement désorientée, perdue, n'a su que identifier au fond de cette vallée une sorte d'abbaye, de monastère, que lui a pu reconnaître grâce à certains détails, il se rend dans cette abbaye et il demande l'aide des moines qui connaissent bien la montagne pour essayer de retrouver cette personne dans cette forêt. Donc le livre commence comme ça. Donc il y a aussi une dimension spirituelle dans la présence de cette montagne autour d'eux. Et en même temps, ce flic, Martin Servaz, donc de la SRPJ de Toulouse, est dans une situation délicate. À la fois, il est plus ou moins heureux quand commence le livre, enfin, sa situation commence à se stabiliser, même s'il a des fantômes qui le hantent dans son passé. Mais voilà, il y a quelquefois une forme de renouveau. Il essaie aussi d'arrêter de fumer pour l'anecdote. Il est tombé amoureux. Enfin, oh, oui, bien sûr. Voilà, donc il s'occupe de son fils Gustave, qui est la prunelle de ses yeux, ce fils de 7 ans, alors que lui, il va en avoir 50. Et donc, ce vieux loup solitaire, ce vieux ours solitaire, commence à s'attendrir d'une certaine façon. Mais il est dans une situation délicate, parce que là, il va être confronté à une enquête pour laquelle il n'est pas légitimement le mieux placé. Oui, parce qu'il est suspendu. Il est suspendu suite. Alors là, pour le coup, on fait référence à un roman précédent qui est Sœur,
Suite à ce qui s'est passé dans ce, on l'a suspendu de ses fonctions. Il est en attente de passer en conseil de discipline. Et c'est, le conseil de discipline, c'est une épreuve violente hein, pour un policier. On peut en parler de ça, la façon dont la police fait quand même le ménage à l'intérieur de sa propre maison. Et c'est parfois assez violent, quoi qu'on en dise. Mais donc oui, effectivement, il est suspendu. Il ne peut pas mener l'enquête lui-même. Enfin là, il s'agit juste au départ de trouver cette femme qu'il a appelée au secours. Et donc, c'est même pas une enquête. Il est juste là en train de fouiller la forêt, d'essayer de la retrouver. Sauf que là-dessus vont arriver des meurtres qui, en apparence, n'ont pas grand-chose à voir avec sa propre quête. Et on va retrouver un personnage qu'on a... Alors, c'est pareil, c'est assez rapidement dans le roman, donc c'est pas un dévoilement trop important. On va retrouver un personnage que certains de mes lecteurs connaissent bien, qui est Irène Ziegler, la gendarme, qui était déjà présente dans Glacé, qui, elle, est chargée de l'enquête, puisqu'elle est section de recherche de Pau. Et Servaz, lui, ne peut être que témoin, en apparence, mais effectivement, quand il y a des meurtres aussi extraordinaires, aussi extravagants dans leur mise en scène que ceux que je décris dans ce livre, Servaz, chassé le naturel, il revient au galop. Il ne peut pas s'empêcher de chercher aussi et de se demander si les deux événements, la disparition ou la réapparition de cette femme qu'il a connue et ses meurtres de l'autre côté, au même endroit, quasiment au même moment, et si évidemment il n'y a pas un rapport entre les deux, forcément il se pose la question. Oui, parce qu'on a une unité de lieu extrêmement forte, donc on a parlé de la montagne, de cette vallée, de ce que ça peut symboliser aussi au point de vue spirituel, mais d'un point de vue purement physique, il y a une sorte d'atmosphère anxiogène, d'autant plus accentuée par le fait que cette vallée, cet enfermement, est provoqué par aussi un éboulement. Oui, c'est ça. Ça, c'était l'idée principale, en fait. C'était que je voulais cet enfermement. Je voulais qu'à un moment donné, il y a ce pan de la montagne qui tombe sur la route et qui coupe la seule voie de communication allant jusqu'à cette vallée, cette petite ville qui est Aigues-Vives. Et là, du coup, on a une communauté, on a une population qui se retrouve enfermée, confinée. Hein. C'est assez étrange de dire ça parce que j'ai terminé l'écriture de ce roman cet hiver. Il est parti chez l'imprimeur au mois de février. Et on a quand même dedans des enfants qui ne vont plus à l'école. Qu'il n'y a plus de professeurs, on a dedans des parents qui sont au chômage technique, qui sont obligés de rester chez eux parce qu'ils ne peuvent plus aller travailler à l'extérieur de la vallée. C'est assez troublant quand on y pense. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'enfermer cette population. Parce que quand moi, je l'ai fait à maintes reprises, hein, c'était les adolescents dans cette île au large de Seattle, dans une putain d'histoire, c'est aussi un peu glacé. Quand on enferme les personnages les uns avec les autres, coincés, les uns sur les autres, ça rend tout plus intense, plus fort, plus tendu, plus dangereux. Et tous les événements, évidemment, prennent une résonance, une dimension particulière. Et puis, je voulais aussi que cette communauté, cette petite ville, cette vallée, soit à l'image de la société et de l'époque actuelle. Donc, on a une communauté qui est enfermée, avec un assassin qui commet des meurtres épouvantables en son sein, et donc qui panique, évidemment, qui a peur, qui veut faire justice elle-même, qui n'a plus confiance ni dans la gendarmerie, ni dans la mairesse, puisqu'il y a un personnage comme ça, une femme mère, et qui se révolte donc cette population. La confiance est brisée entre elle et ses représentants, entre elle et l'autorité. Et ça, évidemment, c'est à l'image de la crise qu'on a vécue, non pas la dernière, la crise sanitaire, mais la crise qu'on a vécue juste avant, crise économique, sociale, en 2019, qui était celle des Gilets jaunes. Et ça aussi, ce côté social, ce roman noir social, ça vient aussi de votre passion, si peut-être pour cette littérature scandinave qui a été l'une des pionnières dans cette description de presque, oui, quasiment sociologique. On pense à Mankell, on pense à Nesbø, qui est un de vos auteurs fétiches aussi, Indridason, enfin voilà, tous ces auteurs-là, ça aussi nourrit cette atmosphère glacée, glaçante, et en même temps, d'un point de vue en effet socio-économique. Complètement. Alors chez Nesbø, c'est un petit peu moins présent le côté... Oui. Côté social. J'adore Nesbø parce qu'il arrive à se renouveler tout le temps dans la moindre scène. Et puis c'est tellement énorme ce qu'il nous raconte. En fait, il a une imagination fabuleuse et moi j'admire ça. Mais en effet, dans le Scandinave, ils ont toujours voulu montrer l'envers du fameux paradis bien géré à la Scandinave tel qu'on le conçoit, montrant qu'il y avait une face noire aussi, que tout n'est pas aussi rose, aussi idéal, idyllique qu'on pourrait le penser. Alors après, évidemment, quand Mankell situe ses intrigues en Scanie dans la petite ville d'Ichstadt, j'imagine qu'il se passe 10 ou 100 fois moins de choses dans la réalité que dans les romans de Mankell. Hein, mais bon, c'est la règle du jeu. Et en revanche, en France, on a connu quand même une crise majeure, une crise vraiment d'économie, et du reste, on continue.
Et en 2019, on a eu l'impression que la confiance était brisée. Enfin, elle l'est depuis un certain temps, brisée la confiance. Mais là, on a vu se creuser des fractures gigantesques. Et c'est de ça aussi que je voulais parler, de cette époque dans laquelle on vit. Dans le film de Clouzot, le Corbeau, il y a un personnage qui dit « Depuis qu'il souffle sur la ville un parfum de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues. » Et ça, c'est totalement l'esprit de la vallée. C'est-à-dire que cette vallée, c'est l'époque actuelle, une époque on est dans une culture de l'émotion et de l'affrontement permanent. Borges disait qu'il avait appris au Japon cette admirable habitude de considérer que son interlocuteur a raison, de se montrer hospitalier avec l'opinion d'autrui. C'est ce qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'affrontement, on est dans l'émotion, on est dans l'exclusion. On a des oppositions de plus en plus stériles à force d'excès. On a des réseaux sociaux où la menace, l'insulte et l'opprobre ont remplacé le débat. Et puis, tout est devenu de plus en plus, idéologique. On ne se positionne plus en fonction des faits. Les faits ne comptent plus. On se positionne en fonction de son idéologie. On a un grand problème avec le réel. Il y a une forme de négation du réel. On a l'impression que le réel est petit à petit balayé, écarté et remplacé par des fictions qui s'opposent et qui s'affrontent. Et c'est ça aussi dont parle la vallée, de cette société qui n'arrive plus à se parler, qui n'arrive plus à dialoguer, où finalement les faits n'ont plus grande importance. Ce qui importe, c'est l'idéologie de chacun. Et on a des camps qui s'affrontent comme ça, qui semblent irréconciliables. Et puis après, il y a la pensée de groupe aussi qui est abordée dans ce livre, parce que quand je dis que la population se rebelle, évidemment, il y a un mouvement de foule qui apparaît. Et ça, c'est la pensée de groupe, on l'étudie depuis les années 50, les psychologues sociaux l'étudient depuis les années 50, la pensée de groupe, elle apparaît dans des réunions de groupe, dans des foules, où des décisions mauvaises, ou en tout cas, à tout le moins irrationnelles, arbitraires, sont prises, alors que tout ou partie des individus qui composent ces groupes aurait, à titre personnel, pris toute autre décision. Et ça pose un problème énorme, parce qu'auparavant, ces groupes, ces foules, ces mouvements de foule, les individus qui les composaient, une fois que la manifestation était terminée, il ne s'agit pas spécialement de manifestation, il s'agit de penser groupe, de gens qui pensent ensemble, une fois qu'ils quittaient le groupe et qu'ils rentraient chez eux, ils retrouvaient leur autonomie, ils retrouvaient leur pensée propre, ils pouvaient réfléchir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui sont connectées du matin au soir à des groupes de discussion, c'est-à-dire à de la pensée de groupe, qui sont nourris par cette pensée de groupe, qui sont influencés par cette pensée de groupe et qui n'arrivent pas à s'en détacher. Moi, je pense, alors là, on va rentrer dans des choses, je pense à une expérience que faisait un psychologue social qui s'appelle Solomon H. dans les années 50, donc ça fait quand même un bail, et il demandait à des individus, des sujets qu'il testait, de comparer une bande noire d'une certaine longueur à un deuxième dessin où étaient représentées trois bandes de différentes longueurs, dont la bonne bande, et il demandait à ces sujets de reconnaître la bande de longueur. La réponse était absolument évidente, tant les bandes étaient de longueurs différentes. Il n'y avait aucun doute possible et imaginable, c'était très facile de répondre. Et ensuite, il prenait un sujet naïf, il le plongeait dans un groupe, avec 6 personnes autour de lui, qui étaient complices de l'expérimentateur, et qui avaient pour rôle de donner une mauvaise réponse. Et bien dans ce cas-là, 37% des sujets donnaient aussi la mauvaise réponse, alors que la bonne réponse était absolument évidente. Alors imaginez, là on est dans le cas d'une réponse évidente, mais imaginez quand la réponse n'est pas facile, quand la réponse est complexe, quand elle est ambiguë, l'influence du groupe sur l'individu. Et en ce moment, on est là-dedans. Avec les réseaux sociaux, on a des gens, des milliers, des millions de gens qui sont plongés dans un bain permanent de pensée de groupe, où ils perdent leur autonomie de pensée, où ils subissent cette influence. Et ça, je pense que c'est extrêmement périlleux pour la démocratie. Et la vallée, indirectement, évidemment, parle aussi de ces choses-là. Ce qui rend passionnant aussi ce thriller, puisque avec les multiples rebondissements que vous mettez que vous écrivez, enfin que vous nous faites vivre, c'est aussi le fait que c'est dans cette communauté, au sein de cette communauté, qu'il y a un ver dans le fruit, quoi. Il y a un tueur aussi qui est insaisissable, qui est invisible, qui commet des meurtres atroces, parce qu'en effet, donc il y a des meurtres qui sont perpétrés dans cette montagne, et ce principe-là de l'intrus au sein de la communauté qui elle-même est assez hostile contre le pouvoir, Oui, comme l'est une bonne partie de la population aujourd'hui, bien sûr. Voilà, mais en même temps, quand vous introduisez
un élément nuisible, mais pour d'autres raisons aussi, c'est notre résonance là encore. Oui, et puis c'est le loup dans la bergerie. Et voilà. À partir de là, le troupeau... alors, troupeau, le sens, le mot est un peu péjoratif, mais c'est pour l'image. Le troupeau panique, perd pied, et évidemment, les comportements irrationnels commencent à apparaître. C'est ce qui apparaît dans toutes les situations de panique. C'est ce qui apparaît, on vient de connaître une situation de panique également avec un tueur redoutable qui s'appelle le coronavirus et qui a fait beaucoup de morts au sein de la population. Et dans ces cas-là, évidemment, chacun réagit. On a vu le meilleur et le pire pendant la crise du coronavirus. La différence, évidemment, c'est que dans mon livre, la peur, elle est présente tout le temps, mais chaque lecteur sait qu'il lui reste 400 pages à lire ou 500, et qu'au bout de ces 400 pages, ça va s'arrêter, il va refermer le livre et il va passer à autre chose. Dans la situation que nous vivons, où il y a une peur aussi, on ne sait pas exactement si on en a fini avec ce fichu tueur invisible également, ou s'il va revenir, et ça c'est encore plus inquiétant. Mais ce tueur, oui, ce tueur, c'est un peu le catalyseur, au fond. C'est lui qui... C'est comme une expérience de chimie, en quelque sorte, où c'est... Voilà, je manipule les petits égos de mes personnages dans mon laboratoire personnel qui est ce roman, qui est cette histoire, et je balance ce catalyseur qui est ce tueur au milieu, et je regarde comment chacun réagit. Et c'est ça qui est intéressant, au fond. Contrairement aussi à vos autres romans où il y avait la figure du mal absolu qui était Julian Hirtman, ce personnage, oui. Ce personnage que traquait Servaz, là, même s'il est présent d'une certaine façon aussi, mais bon, on a l'impression que là, en 10 ans aussi, le mal est plus diffus, il s'est répandu, il est partout, même au fond dans l'abbaye, qui est finalement aussi une réclusion dans la réclusion, et qui est un monde fermé dans cette vallée fermée, confinée, il y a un effet aussi où le mal est partout. À un moment, je ne sais plus si c'est Martin Servaz ou le père Adriel, le mal se serait-il insinué dans l'abbaye. Donc là aussi, le mal gît dans ce qui est censé être l'ordre moral le plus strict. Bah c'est amusant que vous disiez ça, vous employez cette épithète diffus, parce que c'est exactement celui que j'aurais employé, en effet. Parce qu'effectivement, oui, la question du mal est centrale dans tous les thrillers. La question de la nature du mal est hante les philosophes depuis 2500 ans, de Platon à Hannah Arendt. Moi, je cite souvent la phrase de Ricoeur qui disait « Le mal, c'est ce qui ne devrait pas être, mais qui est ». Pourquoi, et la question, c'est pourquoi le mal est-il? Pourquoi le mal est-il dans le monde? Pourquoi les hommes font ce qu'ils font? Pourquoi le mal existe-t-il, si tant est qu'il existe, et que les notions de bien et de mal ne soient pas une invention purement humaine? On sait que la nature est cruelle. Mais ce qui m'intéresse au premier chef, c'est moins le mal extrême, le mal radical du tueur en série. On a parlé de Julian Hirtman, effectivement, il y a des tueurs en série dans mes romans comme dans d'autres. Ce qui m'intéresse, c'est plus, en effet, ce que vous avez appelé le mal diffus, c'est ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal, c'est-à-dire le mal diffus, le mal sournois, et aussi peut-être ici le mal déguisé en bien, et même le mal qui croit être un bien. Et c'est la phrase de Montaigne qui disait « Ne cherchons pas hors de nous notre mal, il est en nous, il est planté dans nos entrailles ». Je cite Montaigne parce que, comme vous êtes à Bordeaux, évidemment, il fallait bien que je le cite à un moment donné. C'est cette question du mal qui est diffus, qui est partout, qui est en chacun de nous, à un degré plus ou moins grand, et jusque dans l'abbaye. Alors l'abbaye, évidemment, ça pose la question éternelle pour les croyants. Comment le mal peut-il exister si Dieu est omniprésent? Et les tentatives pour y répondre depuis Leibniz, ce qu'on appelle les théodicées, y répondent toujours de manière assez imparfaite, parce qu'il n'y a pas de véritable réponse à cette question-là. Mais oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette banalité du mal, au fond. C'est pas les meurtres sont épouvantables, ils sont extraordinaires, en quelque sorte, avec des mises en scène abracadabrantesques, mais ce qui m'intéresse, au fond, c'est ce petit noyau de nuit qui est en chacun de nous, et qui est en chacun des personnages également. Je voulais citer un petit passage de... J'aime bien lire pour entendre aussi la musique de la phrase, même s'il ne faut pas dévoiler certains passages. Là, c'est Ziegler, c'est Irene Ziegler qui prend la parole. Elle parle donc du fameux tueur qu'il traque. Il se fond dans la population comme une ombre, qu'il est l'un des vôtres, que vous le croisez tous les jours, que son visage vous est familier, mais qu'il est le dernier que vous soupçonneriez.
Et c'est ça, finalement, la volonté de l'auteur, enfin de vous en l'occurrence. Finalement, le tueur le plus redoutable, c'est celui qu'on ne soupçonne pas. C'est banal aussi de dire ça, mais en même temps, c'est comme Servaz. Le flic, c'est un flic aussi ordinaire. Il n'est pas extraordinaire, Servaz. Non, enfin, il y a des petits côtés extraordinaires qui sont son érudition, évidemment, c'est quand même quelqu'un de lettré. C'est un passion pour la musique de Mahler. Tout le monde n'écoute pas de symphonie de Gustave Mahler. Même moi, j'ai du mal à les écouter en entier, c'est dire. Pourtant, j'en parle tout le temps. Oui, ça implique les traits philosophes, on le sent. Voilà, c'est quand même. Mais en même temps, oui, c'est pas un flingueur, il n'est pas si borderline que ça. C'est pas l'éternel cliché du flic alcoolique. C'est pas un type violent. Il a même plutôt le vertige et peur de la vitesse. Donc, c'est quelqu'un qu'on pourrait très bien connaître. On pourrait croiser au coin de la rue. Ça pourrait être un de nos proches, et c'est en ça sans doute aussi que mes lecteurs ont autant de tendresse pour ce personnage et ils sont autant attachés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages à taille humaine, c'est qu'on puisse s'identifier, c'est qu'on puisse se poser. Si c'est pour présenter des personnages qu'on n'a aucune chance de croiser au coin de la rue, de rencontrer dans la vie réelle, on ne se posera jamais de questions sur soi. Moi, c'est mes personnages, mes histoires, c'est aussi un miroir que je tends à mes lecteurs pour qu'ils s'interrogent un peu. Alors, ils n'ont pas besoin de moi pour le faire, évidemment, mais voilà, je rajoute à ça. Et c'était quoi la question déjà au départ? C'était de vous demander si, en effet, le tueur comme Martin Servaz était des individus les plus ordinaires possibles qu'ils étaient insoupçonnables. Parce que dans la réalité, ils ne portent pas écrit tueur assassin sur leur front, évidemment. Sont des gens, même les narcotrafiquants. Moi, je regarde pas mal de séries télé sur le narcotrafic. Il y en a plein aujourd'hui. On a le choix. C'est quand même un sujet qui me passionne. J'ai voyagé pas mal en Amérique du Sud où j'ai des lecteurs aussi grâce aux traductions. J'ai été à Medellín en Colombie chez Pablo Escobar. J'ai été en Argentine. J'ai été au Mexique aussi où il y a beaucoup dans des zones du reste où il y avait des narcotrafiquants, pas forcément dans les zones les plus touristiques. Mais je me suis toujours posé la question, ces gars-là ont une vie de famille, ils ont des enfants, ils ont une femme, et ce sont souvent des bons pères, des bons, on le voit avec Escobar, des bons pères de famille, très attachés à cette notion, à ce noyau familial, etc. Et à côté de là, ce sont des monstres. Donc les monstres ne sont pas déguisés en monstres, on n'est pas dans... C'est pas Alien, et même les commandants de camps de concentration nazis avaient des vies de famille et rentraient le soir et manger leur soupe avec femme et enfant, c'est ça qui est terrible. C'est cette fameuse banalité du mal, j'y reviens, dont parle Hannah Arendt. Et le dialogue entre le père d'Ariel et Martin Servaz dans l'abbaye, à un moment, page 168, quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu. Voilà ce que je crois. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait rapprocher le tueur, celui qui se prend pour Dieu, donc, de Dieu, donc, du mal absolu aussi. De l'auteur, du créateur, c'est vous, ça aussi. Je vous ai vu venir, là, oui. Ah. Mais vous avez tout à fait raison, exactement. Bien sûr, cette phrase renvoie aussi au statut d'auteur. L'auteur se prend pour Dieu. L'auteur, il joue avec ses personnages, il joue avec... il invente un univers, il s'invente un univers dans lequel il est tout puissant. Il a droit de vie et de mort sur chacun d'eux. Du reste, les auteurs vont même des fois au-delà, puisque mon confrère Franck Tillier, non seulement crée des personnages, mais prend parfois ses confrères auteurs pour les coller dans ses livres en faire des personnages eux-mêmes. Vu que j'ai la chance ou la malchance de figurer dans son nouveau roman. Tout à fait. Donc voilà, donc, ça veut dire qu'on a vraiment tous les droits. Il faut nous rendre l'appareil. Ah ben je vous rassure, cette audace ne restera pas impunie. Bien entendu. Oui, parce que quand on... À un moment, page 151, quand on entend un personnage qui prend la parole, qui dit « je les vois tous s'agitant comme un troupeau affolé », tout à l'heure on parlait de brebis voilà, c'est un peu ça. Je les vois se dire que tout ça ne fait que commencer, que ça va empirer. S'ils savaient à quel point ils ont raison, à quel point cela va empirer, s'ils savaient, ils seraient terrifiés, encore plus qu'ils ne le sont déjà. Il est si facile de leur faire peur, de les atteindre. Là, c'est aussi vous qui parlez. Oui, bien sûr. Oui. On est dans une société... on est à la fois, on affronte des choses terribles à travers ce virus, etc. On voit qu'on est dans une société très vulnérable et très fragile. Et c'est quelque chose que peut-être on vient de découvrir, on n'en était pas forcément conscient auparavant, la fragilité de cette civilisation dans laquelle on vit. On la croyait éternelle, on la croyait immuable, on se croyait protégé de tout.
L'année dernière, la moindre fluctuation sur les marchés avait des conséquences incalculables. On nous expliquait que l'économie était en danger juste pour... Alors que dès que le marché baissait un petit peu ou dès qu'il y avait quelques difficultés, et là, on vient de se rendre compte qu'en fait, tout ça est un château de cartes et qu'il pourrait être facilement balayé. Un virus arrive et toute l'économie s'effondre, est paralysée. Un pays entier, des pays entiers sont à l'arrêt, voire une bonne partie de la planète. C'est des choses que jusqu'à présent, on imaginait que dans les films de science-fiction. Et là, on s'aperçoit en fait de la vulnérabilité qui est due aussi à l'interconnexion entre tous ces pays, au fait que toutes les économies aujourd'hui sont interconnectées. Et cette vulnérabilité-là, oui, elle est, je pense qu'elle est aussi dans chaque lecteur. Chacun d'entre nous vient de se rendre compte à quel point il était fragile et vulnérable, à quel point son métier était précaire, même quand il pensait avoir une situation solide, à quel point tout ça, du jour au lendemain, pouvait être balayé. Et ça, c'est assez nouveau, je pense. Et donc, vous, en tant qu'écrivain, vous avez d'autant plus presque le devoir ou la responsabilité morale, si on peut employer ce mot-là, ou du moins la responsabilité tout court, d'être le témoin et d'être celui qui va faire passer ce message-là aussi. C'est-à-dire qu'on on est là pour interroger la société, pour poser des questions. Je dis toujours, on n'est pas là pour apporter des réponses. On laisse les réponses aux scientifiques, aux philosophes, aux idéologues, voire à chaque lecteur lui-même. Mais on est là pour parler de la violence de l'époque. Je me souviens d'un auteur célébré, lauréé, qui s'appelle Philippe Besson, qui a déclaré sur une chaîne de télé qu'écrire sur la violence de l'époque, sur le fracas du monde, c'était céder à la facilité. Ce n'est pas vrai du tout. Sur quoi ont écrit les plus grands auteurs, sinon sur la violence de leur époque? Sur quoi ont écrit Malaparte, Dickens, Zola, Hugo, Tolstoï, Gary, Camus, sinon sur la violence de leur époque? Et les tout petits écrivains comme moi, qui sont certes là pour divertir, mais peut-être pas seulement, au même titre que les grands, doivent rendre compte de leur époque, c'est un devoir sacré. Et rendre compte de l'époque, c'est rendre compte de sa violence, bien entendu. En même temps, cette violence, il y a une dimension aussi, comme chez Frantillier qui était à ce micro la semaine dernière, il y a aussi une dimension qui est très importante chez vous deux, c'est la dimension aussi esthétique, pas esthétisante, mais esthétique aussi de ces crimes, aussi forts, aussi noirs soient-ils. Mais en même temps, vous puisez aussi dans les racines, et peut-être plus chez vous, de cette façon plus visible, même si Franck aussi creuse ce sillon-là, mais vers l'art, vers les sources, la peinture chrétienne, bien entendu, on y pense quand ces moines sont en train de chercher dans la forêt noire avec leur robe blanche. Enfin, voilà, il y a une sorte de tableau qui se dessine. Est-ce que ça aussi, ça fait état d'une grande documentation chez vous, d'une grande érudition, donc, et qui transparaît dans vos livres? Est-ce que ça aussi, c'est une volonté de votre part affirmée, affichée? Oui, alors, pour parler de Franck, dans son dernier roman, le rapport entre l'art et le crime est aussi très, très présent. Oui. On ne va pas rien dévoiler, mais enfin, c'est quand même un des axes de son roman. Et bien sûr, la dimension... Il y a une ambiguïté là-dedans, dans ce côté esthétisant qu'on donne aux meurtres. On pourrait nous reprocher une certaine complaisance. On pourrait nous reprocher justement d'embellir une chose aussi sordide que l'est le meurtre, le fait de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir que nos mises en scène, aussi bien celles de Franck que les miennes, sont tellement extravagantes, sont tellement gigantesques. On sait très bien que des choses comme ça n'arriveront jamais dans la réalité. Aussi bien, on est scrupuleux sur le travail des légistes, des policiers, et Franck comme moi, on est en contact avec des policiers, avec des membres de la police scientifique, et on se renseigne, on se documente beaucoup, on fait attention à ce qu'on raconte. Aussi bien, on est très scrupuleux, très réaliste là-dessus, y compris quand on parle d'autres métiers, la psychiatrie par exemple, ou la pédopsychiatrie dans la vallée. Aussi bien, les meurtres qu'on décrit sont tellement extravagants. Un type qui meurt, c'est le premier, donc je peux en parler. Il y en a d'autres, les lecteurs peuvent s'attendre à tout. Mais le premier, c'est ce type qui est pris dans cette carapace de gaz parce qu'on l'a aspergé d'eau glacée et qu'en même temps, on lui a ouvert le ventre en collant un poupon en plastique à l'intérieur pour faire un simulacre de grossesse. Bien entendu que ça n'arrive jamais dans la réalité, ce genre de choses. Donc, cette dimension esthétique, c'est effectivement de l'ordre du tableau, c'est le Caravage, c'est tous ces grands artistes qui ont représenté la violence, et l'art chrétien est très violent, souvent. Qu'est-ce qui est plus violent qu'une crucifixion? La crucifixion, pour moi, c'est le,
c'est le symbole chrétien par excellence, mais c'est extrêmement violent. Et du reste, il y a des tableaux de crucifixion dans la vallée aussi. C'était quand même une mort absolument atroce. Mais bon, cette dimension esthétique, oui, on l'assume, bien sûr, on est des artistes, enfin, à notre modeste niveau. Et on est, l'écriture, c'est aussi création d'un monde nouveau. Nabokov disait que tout roman est création d'un monde nouveau, il ne faut jamais l'oublier. Dans la vallée, il y a aussi un autre enfermement, c'est celui de la demeure de la psychiatre, redoutable, menaçante, Gabrielle Dragoman, qui vit dans une sorte de bunker, avec elle aussi des œuvres d'art extrêmement... extrêmement gigantesque et bien entendu extrêmement cher, et un sanctuaire dédié aux sexualités déviantes. Donc, et en même temps, il y a un personnage là extrêmement fort, où on revient aussi aux sources de Glacé avec l'Institut Varnier, cet institut psychiatrique qui était dans cette vallée vers Saint-Martin-de-Comminges. Là, on est encore dans la psychiatrie, dans la folie aussi, dans la folie humaine. Oui, alors. Et puis c'est sexualité défiante qu'on appelle les paraphilies, oui, en effet. Et là aussi, c'est un retour aux sources. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était le dialogue entre l'abbé, qui est le chef de sa communauté religieuse, l'abbé Adriel, et la psychiatre, puisque les deux dialoguent, c'est-à-dire le spirituel et le moral d'un côté, et puis le psychiatrique, le psychanalytique. Donc, deux manières d'aborder les forces de l'esprit, en quelque sorte, c'est ça qui m'intéressait. Le religieux et le scientifique. Cette psychiatre, moi, je me suis beaucoup amusé à la créer parce qu'elle est quand même effectivement redoutable. Dragoman, Dragoman, il y a presque... Alors, Dragoman, c'est un nom roumain, hein, et c'est un nom, ce qu'on m'a dit, assez banal en Roumanie, mais effectivement, pour un Français, Dragoman, ça fait penser tout de suite à dragon. Oui. Donc, c'est vrai qu'elle est dans sa tanière, dans cette espèce de villa futuriste qui est son cabinet de psychiatre avec des murs hérissés de pointes, des tableaux extraordinaires et très perturbants. Dans sa tanière, elle est un peu comme un dragon à l'intérieur de... Et on a l'impression qu'elle dévore un peu ses patients, oui, d'une certaine manière. Mais c'était très, très amusant à faire. Et en même temps, ça me permet aussi d'aborder un sujet que j'ai abordé là aussi très sérieusement, très scrupuleusement, celui de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, puisqu'elle est à la fois psychiatre et pédopsychiatre. Et pour parler de ça, en m'assurant, en tant que faire se peut, de ne pas dire trop de bêtises, j'ai potassé des manuels de psychiatrie, de pédopsychiatrie, qui sont en particulier les manuels des étudiants qui ont des formations diplômantes, donc qui sont censés passer des diplômes à la fin de l'année. Alors, j'ai pris les manuels et j'ai étudié comme eux. Je me suis remis un peu dans la peau d'un étudiant et j'ai réappris un peu tout ça. Parce que je veux, comme toujours, appuyer mes fantasmes ou mes fantasmagories et mes histoires, qui sont un peu des contes de fées pour adultes. Hein. Il y a de la forêt, il y a de la montagne, il y a des ogres, en quelque sorte. Mais je veux les appuyer, ces contes de fées pour adultes, sur du solide, sur une vraie documentation, sur une vraie connaissance des sujets que j'aborde. Parce que j'estime que la fiction n'autorise pas tout et qu'on a cette responsabilité-là vis-à-vis du lecteur. Qui nous fait confiance et qui pense qu'on sait de quoi on parle. Donc, c'est mieux de le savoir, en effet. Et en même temps, il y a énormément aussi de références littéraires. Bien sûr, on pense à ces cercles concentriques de l'enfer de Dante ou de William Blake, qui l'a aussi mis en illustré. Oui, du reste, il est un tableau fameux avec un dragon. Hein. Dragon et la femme vêtue de soleil. Mmh. Ouais. Et donc, qu'on retrouvait dans Dragon Rouge. Ça, c'est extrêmement présent chez votre flic, puisque lui-même est un flic lettré, philosophe, dit à un moment justement le père Adriel. Donc, il y a cette dimension-là qui est extrêmement singulière chez vous. Oui, j'espère que mon flic est singulier, parce que si c'est pour créer un personnage qui existe déjà, ça serait un peu embêtant. Mais là, c'est votre signature, dans le sens où il était tellement atypique, pour le coup. Oui, et c'est ça, le paradoxe entre Servaz, c'est que c'est quelqu'un dont on a l'impression qu'on pourrait le croiser au coin de la rue, qu'on pourrait l'avoir à sa table, et en même temps, il a ce côté atypique, il a ce côté extraordinaire. Il est complexe comme personnage, il a plusieurs faces, c'est un peu Janus, et c'est ça qui m'intéresse. Évidemment, si c'est pour faire des personnages univoques ou des silhouettes qui sont juste des savoir, des faire-valoir d'une intrigue, moi, ça ne m'intéresse pas.
je vois des fois parfois des auteurs, souvent anglo-saxons, mais pas que, qui construisent des intrigues et puis ensuite les personnages sont juste un peu là pour faire vivre le truc. Donc ils ont pas forcément beaucoup d'épaisseur, ils sont assez minces. Ils sont juste, on leur file quelques tics, quelques petits machins pour dire voilà, j'ai fait créer un personnage. Non, un personnage, il faut que ça vive, il faut que ça soit vivant, il faut que ça ait de la chair, il faut que ça existe, il faut que ça pense, il faut que ça aime. Et la plus belle des récompenses pour moi, c'est que les lecteurs, quand ils viennent me voir dans les salons ou dans les librairies, alors dernièrement, en effet, ce n'était pas trop le cas, malheureusement, mais ça va revenir, j'espère, à la rentrée, après les vacances, enfin pour ceux qui en prennent, après l'été. Tous les lecteurs qui viennent me voir, quand ils me parlent de Cervez, on a parfois l'impression qu'ils parlent d'une personne réelle, qui existe vraiment. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. Un personnage qui existe, qui vit. Et qui, du reste, n'accepte pas toujours de faire ce qu'on voudrait lui faire faire. Et ça, c'est encore mieux. Et en même temps, ces univers concentriques, ces cercles donc, que vous décrivez, puisqu'en même temps, chaque livre est comme une sorte de, est comme une sorte aussi de cercle que vous dessinez autour de Cervas. C'est aussi un symbole aussi de l'enfermement, comme dans d'autres de vos romans. Et c'est des huis clos, presque en pleine nature aussi, qui est un paradoxe extrêmement puissant là aussi. Oui, bah, j'ai toujours aimé les huis clos. Hein. C'est le huis clos, comme je l'ai dit, ça rend tout plus tendu, plus fort, plus intense. Quand les personnages sont coincés, pour vous, le huis clos. Ben parce que les personnages coincés les uns avec les autres, enfermés les uns avec les autres, c'est, ben, évidemment, je n'ai rien inventé, ça existe depuis toujours. Livrés à eux-mêmes, ont des réactions beaucoup plus fortes, ont des réactions beaucoup plus violentes, ont des réactions beaucoup plus. En fait, il se passe en peu de temps ce qui se passerait dans une vie, mais dans un laps de temps beaucoup plus long. Alors, et je vais vous donner un exemple qui est assez prosaïque et pas très littéraire. Je me souviens du premier loft. Vous vous rappelez de ce premier loft qui était apparu à la télé, cette émission de télé-réalité qui, mon Dieu, a été suivie ensuite par tellement d'autres horreurs télévisuelles qu'aujourd'hui, on n'en peut plus. Mais en fait, c'était le premier et ces jeunes gens qui étaient enfermés dans ce loft et qui ne pouvaient plus en sortir, on voyait tout et tout était exacerbé, tous leurs sentiments, leurs émotions, tout était... Et c'est ça le principe du huis clos. C'est intéressant de ce point de vue-là. C'est au fond, les êtres, les personnages deviennent aussi des cobayes. Hein. Des cobayes, des rats de laboratoire, on les soumet à des expériences. Et ça, c'est passionnant. Vous parlez justement donc du rapport extrêmement familier, presque fraternel que les lecteurs ont avec Cervas, ce rapport extrêmement aussi fusionnel. On a l'impression qu'il fait partie de notre paysage. On attend de ces nouvelles. Tellement, comme je disais, qu'il est devenu un personnage vraiment emblématique de la littérature policière depuis 10 ans. Et vous, quel rapport personnellement vous entretenez avec cette créature? Alors. Compliqué comme question. C'est vrai que moi, je suis tout le temps avec lui parce que j'écris 7 jours sur 7. Samedi, dimanche et fête. Je suis assez lent comme auteur. Je n'écris pas beaucoup de pages par jour. Hein. Je n'écris pas un livre en un mois ou deux. Je ne sais pas faire ça. Donc, si je passe beaucoup de temps avec mes personnages, et avec Cervas en particulier, il y a des moments où j'ai envie vraiment de l'envoyer en congé. Quoi. C'est-à-dire, je l'ai fait 2 fois. Hein. Je l'ai fait avec une putain d'histoire et je l'ai fait avec M, le mort de l'abîme, mon avant-dernier roman. Qui vient de sortir chez Pocket. Oui, qui est... où le personnage est une jeune femme qui s'appelle Moira Chevalier. À Moira, ça ne vous a pas échappé, ça fait référence évidemment à la mythologie. C'était celle qui répartissait la part chacun de fortune et d'infortune, de vie et de mort. Hein, et quand on n'acceptait pas cette part de destin, on versait dans ce qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire l'excès, la démesure, l'orgueil, qui était évidemment châtié par les dieux, et M, ça parle de ça aussi, de l'hubris de ces grandes entreprises, ces géants de la technologie qui sont aussi bien les GAFA américains que les Chinois aujourd'hui. Mais bon, bref, j'avais mis Cervas en congé, parce que déjà, l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment un geek, hein, Cervas, on n'a pas parlé de cet aspect-là, mais c'est plutôt, comme l'a dit Olivier Wiro dans Le Parisien, c'est plutôt un anti-héros technophobe. Et je trouve que cette définition est parfaite. Mmh. Ce que je suis un petit peu aussi, pas anti-héros, mais technophobe. C'était de temps en temps, j'ai envie de le mettre en congé, j'ai envie de parler d'autre chose, et il n'a pas forcément sa place là-dedans. Et puis, je le retrouve avec bonheur. Mais c'est amusant, le rapport qu'ont les lecteurs avec Cervas, parce que certains lecteurs ont lu Glacé ou Le Cercle il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que moi, j'ai écrit déjà ces livres, ces romans-là il y a longtemps et je les ai un peu perdus de vue, oubliés.
Et donc, certains ont quasiment la mémoire plus fraîche que moi, donc ils me rappellent un peu ce que sont les personnages. Ils en savent quasiment autant que moi sur le personnage. Hein. C'est très, très étonnant. Mmh. Et puis, alors, chacun a son avis sur la question. Là, j'ai eu un retour d'un blog, un très, très beau texte qui a été écrit sur la vallée de quelqu'un qui dit que la fin de la vallée est une merveilleuse fin, que c'est un merveilleux épilogue ou quelque chose comme ça pour un personnage formidable, Martin Servaz. Et qui me remercie en me disant oh, « c'est formidable, comment vous concluez la saga ?» On vous remercie pour cette fin, c'était la fin parfaite, je ne pouvais pas en imaginer une autre. J'ai envie de lui dire « mais j'ai jamais prévu que la saga s'arrêtait là !» Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il va revenir dans le prochain bouquin. Quoi. Donc, et ça, je trouvais ça très drôle. C'est ce rapport qu'ont les lecteurs au personnage de Servaz qui finit par m'échapper, au fond. Quoi. Je pense que c'est pareil pour Franck avec Charcot et Hennebelle, c'est pareil pour plein de... pour Jones Wu avec Harry Hall, c'est pareil pour Sonia avec Anna Baxter, bien que je crois savoir qu'elle a mis fin à ses aventures, elle l'a mise à la retraite. A priori. A priori, c'est elle qui l'a dit. Donc, voilà, la créature échappe au créateur. Oui, vous imaginez on n'est plus tellement maître de son destin. Je ne sais pas. Je ne veux pas, répondre à cette question. On verra bien. Oui. On verra bien. Mais pas encore, parce que pour tout dire, j'ai été confiné, donc j'ai beaucoup écrit, parce que j'avais rien d'autre à faire qu'écrire, comme tous comme beaucoup d'auteurs, j'imagine. Et donc, j'ai pas mal de pages déjà qui sont prêtes pour un prochain livre, et il y a Martin Servaz dedans. Donc, cette magnifique façon de conclure la saga n'en était pas une, en tout cas à mes yeux. D'accord, vous n'allez pas le mettre encore à la retraite, on n'est pas comme Charlie Bosch ou chez... On n'a pas encore Non, mais il est plus jeune que moi. Hein. Il a une cinquantaine d'années. Évidemment, la retraite des policiers n'est pas la retraite de tout un chacun. Mais non, il a encore des choses à dire. Et puis, au contraire, on ne va rien dévoiler parce qu'il est suspendu dans ce roman-là. Oui. On verra bien quel est... conseil de discipline qui n'est pas une panacée. Voilà, qui est une épreuve. Hein, parce que, évidemment, pour écrire, pour parler de ça aussi, on n'a pas parlé, mais pour parler de ce conseil de discipline et de cette situation, le fait d'être suspendu, être un peu considéré comme un paria parce qu'on a peur de la contagion. J'ai rencontré des policiers qui ont vécu ces moments-là et c'est très très dur, hein. C'est très violent. Faut pas croire que la police, tout le monde se serre les coudes, c'est une grande famille et on se protège les uns les autres. C'est pas vrai, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est assez violent, hein. C'est un peu chacun pour soi aussi. Hein. Surtout, il y a des rapports entre la hiérarchie et les policiers de terrain qui sont très très compliqués. Donc, quand j'entends que l'IGPN protège systématiquement les flics, c'est absolument faux. Quand on sait le vrai métier qu'est-ce que c'est que le vrai métier, la difficulté du métier de policier. Alors, je ne nie pas l'existence de violences policières. Par exemple, il y a deux jours, il n'y a pas plus tard que deux jours, je parlais avec un photographe de presse qui a eu la main brisée par un coup de matraque télescopique donné par un policier, donc, alors qu'il couvrait une manifestation de Gilets jaunes. Et ce gars-là est correspondant de presse, il était auparavant reporter de guerre, il était en Irak à Mossoul, il est rentré sans une égratignure de Mossoul en Irak, il a fallu qu'il se fasse casser la main à Paris pendant une manif quand même. Donc les violences, elles existent, on ne peut pas les nier. Après, le métier de policier, c'est des choses tellement différentes, tellement complexes, et c'est là où le romancier a justement un rôle à jouer. C'est que le rôle du romancier, c'est de montrer, c'est ce que disait Milan Kundera, l'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Et effectivement, quand on connaît mieux une situation dans le détail, quand on est mieux une communauté, un groupe, un pays, un peuple, on est moins porté au jugement à l'emporte-pièce qui aujourd'hui sont légion sur les réseaux sociaux. Si on veut bien connaître, comprendre un peu les difficultés de ce métier qui est le métier de policier, et il n'y a rien à voir, par exemple, entre un CRS et un officier de police judiciaire, et entre l'officier de police judiciaire et un BACEU, entre un BACEU et un membre de la police scientifique, tout ça, c'est des métiers extrêmement différents les uns des autres. Mais si on veut un peu comprendre les difficultés de ce métier, moi, j'invite les gens à regarder le merveilleux film de My Wen Police, par exemple, sur la brigade des mineurs, ou bien Roubaix une lumière de Arnaud Desplechin avec Roche Dizem. On voit vraiment comment ces gens-là sont confrontés en permanence aux aspects les plus noirs, les plus sordides de la condition humaine. Et puis, je pense à une revue qui vient de renaître de ses cendres, qui est la revue Alibi, une merveilleuse revue sur le noir, que vous avez sans doute dans vos librairies, et qu'on peut trouver aujourd'hui dans toutes les librairies. Et dedans, il y a un papier de Christophe Guillemot, qui est commandant de police à Toulouse, qui est auteur de romans policiers chez Liliana Lévy aussi, qui est un ami, et qui raconte comment il a vécu le suicide de son,
de son collègue de travail, de son collègue le plus proche, et comment il a dû faire face, comment il a dû gérer ça. Il aurait pu se mettre en arrêt de travail, il ne l'a pas fait. Il écrit à un moment donné, il n'y a pas d'agence d'intérim chez les flics, il faut tenir la barre quoi qu'il vous en coûte. Et il raconte aussi dans ce papier que j'invite tout le monde à lire, dans cette revue Alibi, il raconte comment il se rendant chez son père en TGV de nuit, le train a été arrêté en rase campagne parce que quelqu'un s'était jeté sous les roues, donc un suicide encore. Et il rapporte les commentaires qu'il entendait, les gens qui se plaignaient qu'ils allaient avoir 4 heures de retard, qu'ils allaient rater leur correspondance, est-ce qu'ils allaient être remboursés par la SNCF, est-ce que le type n'aurait pas pu se jeter sous un autre train que le leur. Et lui, il pensait à ceux qui allaient ramasser les morceaux sous une pluie battante en pleine nuit, et des flics comme lui. Et il a cette phrase terrible, notre institution est à l'image de notre société. Tout est dit. Et donc cette vallée aussi est à l'image de la société, de ce microcosme que vous nous donnez à voir donc dans ce huitième roman. Je voulais finir avec la citation à la fin du roman. Ils avaient partagé la même certitude absolue, c'était la fin d'une époque. Une nouvelle ère s'ouvrait, durant laquelle certains allaient sombrer dans l'irrationalité et la violence. Une époque de destruction et de chaos. Alors, c'est vrai que finir comme ça, on a l'impression que voilà, on est dans la complète noirceur, mais en même temps, il y a une autre forme de lumière qui s'ouvre pour Servaz et pour ses aventures. Et donc, on espère véritablement que. Parce qu'on attend encore la suite, quoi. Merci beaucoup. Mais oui, effectivement, il y a une petite lumière. On ne va rien dévoiler. Non. Il y a quand même une lumière, petite ou grosse d'ailleurs, à la fin de ce tunnel. La fin de ce livre, et c'est toujours difficile de finir sur une note positive en roman policier. Fred Vargas disait que le procès en naïveté n'est jamais loin quand ça se finit bien, un polar. Alors là, je laisse chaque lecteur juge savoir si ça se finit bien ou pas bien. Voilà. C'est une fin un peu ambiguë et c'est tant mieux. Oui, et en même temps, voilà, ça rejoint ce que vous dites, que l'auteur n'a pas à se prononcer, il apporte aussi des questions, il fait voir toute la complexité, toute la richesse du débat, quel qu'il soit, sur la police, sur tous les mots de la société, et il met des mots sur tous ces problèmes-là aussi, et le policier, de toute façon, n'est que la partie saillante qui fait jaillir toute cette complexité-là. Tout à fait, exactement. C'est le révélateur et à chacun de se prononcer en son âme et conscience. Eh bien, merci beaucoup Bernard Minier d'avoir accordé cette heure d'entretien avec vous, donc dans votre maison. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes bien entouré. Oui, il y a pas que cela. Hein. C'est juste il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a des crânes un peu partout. C'est comme la culture mexicaine. Dans la culture mexicaine, la mort fait partie de la vie. Et voilà, c'est maison, mais il y a plein d'autres choses. Il y a beaucoup d'objets qui évoquent le voyage aussi. Il y a un buste de Corto Maltese par là. Il y a des mappements de toutes les époques que j'ai ramenés du musée de la Marine. D'ailleurs, j'aime beaucoup aussi les objets qui invitent au voyage. Parce que quand je suis enfermé 7 jours par semaine à écrire dans ma maison, voilà, ça me permet de voyager en esprit en attendant de le faire d'une autre manière. Eh bien, merci en tout cas beaucoup pour ce voyage que vous nous avez proposé. Puis, donc, j'incite tous les lecteurs à lire La Vallée aime le bord de l'abîme qui se passe à Hong Kong, là encore très très loin d'ici. Bernard Minier, je vous souhaite une très très bonne continuation pour La Vallée. Puis à très bientôt chez Mola. Et j'invite tous les lecteurs à aller dans les librairies. Les libraires ont absolument besoin de ça. Et le mouvement qui se passe en ce moment, cet engouement pour les libraires, les librairies. C'est quand même une très, très bonne nouvelle après ce déconfinement. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.